Je continue mon voyage en route, les derniers 200 km pour voir le village là où je suis née et mon oncle, le frère de mon père. Beaucoup de voitures en Russie ont le volant côté droit comme en Angleterre parce qu'ils viennent du Japon. Le paysage est magnifique, c'est fabuleux. Voici arrivé, je me rappelle très bien de ce numéro 90. Voici la maison de mon oncle. Et il y a une petite neige qui tombe, c'est vraiment très joli, très agréable. Lorsqu'elle tombe sur le visage, ça chatouille. Et le chien qui nous accueille. Et voici, j'ai vu mon oncle. C'était fantastique, très très animé. Et nous allons faire encore 15 km pour aller dans le village où je suis née. Parce que là, j'étais dans le village où j'ai grandi. Et voici la route, comme si c'était vers nulle part. Tout est très blanc, il fait froid. Et voici le soleil qui n'arrive pas à percer parce qu'il y a trop d'humidité dans l'air. Voici, je suis sur, dans la rue où j'ai grandi, où je suis née. Et ça, c'est la maison de mon grand-père, grand-mère paternelle. Et là-bas, plus loin, là où il y a le gros poteau, il y avait une toute petite maison, Izba, où j'ai grandi les premiers 3 ans, qui n'est plus là. Voici les voisins dont je me rappelle. Il y avait une petite fille avec laquelle je jouais. Absolument incroyable. Je décrivais la maison de mon ami. Le numéro est toujours le même. Et la maison est aussi belle, grande et impressionnante comme elle était à l'époque. Et elle domine toujours les maisons qui sont à côté. Elle est juste chic. Dans laquelle j'ai passé du temps de 12 à 20 ans. Elle est aussi incroyablement petite et enfoncée dans la terre. On voit juste qu'ils ont changé les fenêtres, peut-être récemment. Incroyable. Et voici là-bas où on faisait de la luge. On descendait avec une grande vitesse. Les églises étaient interdites en Russie et de cette église ils avaient fait et évidemment enlevé la croix et les cloches, ils avaient fait un cinéma. Et maintenant je suis ravie que ce bâtiment a retrouvé ce que ça a été initialement, c'est une église. Поехали! Ну все, достаточно! Aujourd'hui, il fait
fait particulièrement froid, le ciel est dégagé, tout bleu, et c'est magnifique. La nature est très 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 belle. Que de la neige autour. Et pour tout à l'heure, on a prévu de faire un feu par ici. Voici comment on s'amuse ici, c'est parti! On va voir du feu, on va d'abord préparer le petit bois. C'est tellement joli et je me rappelle très bien comment je le faisais à une époque. Plein plein souvenirs sont réveillés, des sensations d'il y a 25 ans. Le feu apparaît petit à petit. L'ambiance est bonne. Bientôt, il y aura de quoi manger chaud. Et voilà, encore une petite vidéo pour montrer.